Salut à tous, c'est Thomas Santatassi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour reprendre la suite de notre aventure, sur God of War Ragnarok. J'espère que vous allez bien, bien évidemment, n'oubliez pas de prendre à boire, à manger, histoire de passer une petite demi-heure ensemble, quoique à chaque fois que je dis une petite demi-heure ensemble, on finit par une heure de vidéo à peu près, quelque chose comme ça. Donc, partez du principe que la vidéo va faire une heure, de toute façon vous avez le timecode, moi je sais pas encore combien de temps ça va faire. J'ai préparé un sortilège qui m'empêchera d'être attiré hors du royaume. Aussi, pour ceux qui n'auraient pas vu du coup l'épisode de A Plague Tale Requiem, bonne année, puisque nous sommes en 2023, ça y est. Peut-être qu'il y aura eu du Minecraft, je sais pas encore. Il faut savoir que là je tourne en début de semaine pour vraiment la fin de la semaine. Donc je sais pas s'il y aura déjà Minecraft ou pas. J'ai quelques petites idées de nouvelles séries pour 2023. Pour Minecraft, histoire de remettre un petit peu Minecraft sur la chaîne, parce que c'est vrai qu'on a fait une grosse pause quand même dessus, à part une petite vidéo comme ça d'une map qu'on avait trouvée au pif. Enfin bref, c'est pas le sujet du tout de la vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur God of War. Alors apparemment, on a une armure. On a une nouvelle armure. Ah oui, niveau 4. Ah ouais. Ah ouais. Ah. Bon, on va s'équiper de ça, hein. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ok. De quoi s'agit-il? De la source de magie qui me lie à Midgard. Nous allons la trouver et la détruire. Je t'aiderai. Mais cela ne changera rien à ce que j'ai fait. Je sais. Je déciderai de ton sort quand nous en aurons terminé. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Oui, Brock, deux secondes, on arrive. Et du coup, bonne année 2023, voilà. comme ça c'est dit. Ok, alors reprenons là où on en était. Qu'est-ce que vous feriez sans moi pour vous sauver les miches? Direction Vanaheim. Manifestement, tu as pu te défaire des malédictions d'Odin toute seule. Fimbulwetter avait affaibli les autres malédictions, et j'avais eu besoin d'aide pour les rompre. Celle-ci est puissante. Alors, tous ces efforts pour le tuer, c'était simplement un divin appel à l'aide? Je ne me rappelle pas t'avoir demandé de venir. Parce que tu l'as pas fait. Je comptais retrouver une vieille compagne de beuverie quand l'occasion de lever le coude se présenterait. Comme on va sûrement finir par se rendre au même endroit, autant vous filer un coup de main. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh ben, aux dernières nouvelles. Elle musardait avec le pencu qui te sert de frère. Frayeur n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est pas ce que me dit mon petit doigt. Ni mes baloches. De quoi tu parles, Brock? Au secours! J'ai rien compris à ce qu'il disait, mais très bien. Ok, allons-y. Je sens l'attraction du sort d'obédience. Sa source est un peu plus loin. Suivez-moi. Yes, bah let's go, on te suit. C'est un bourbier de Muspelheim, ici. Et ça sent presque aussi bon. Ce doit être à cause de Fimbulwetter. Mais si cela aide ces deux-là à faire la paix... Ce n'est qu'une alliance temporaire, Mimir. Au-delà de ça, il faudrait se faire confiance. Oh, je t'en prie. Tu sais bien que Kratos n'est pas la cause de tes souffrances. Vous êtes tous deux autant responsables de ma souffrance que quiconque. Viens, nous devons avancer. Mais je te suis. Ah très bien, c'est à moi de faire tout le boulot, c'est ça? Let's go. Oh non, ça ne va pas. Mon sort, je le sens qui m'échappe. Ah ben ça, c'est Fimbulwetter. Non, tu ne comprends pas, je vais disparaître du royaume. Que peut-on faire? Une chose que j'espérais éviter. Je n'ai plus vraiment le choix. Falky! Allons-y. Tu pouvais contourner le sort d'Odin depuis le début? Non, je l'ai découvert quand vous avez ouvert le passage entre les royaumes. Et ce n'est pas une solution. Cette forme est extrêmement contraignante. Ça vous dit une petite devinette pour se changer les idées? Je ne suis pas... Qu'est-ce qui coule à cause du froid? Facile, un nez. Il va falloir trouver mieux que ça, Brock. Un peu de froid, voilà. Effectivement. Attends, fais voir juste deux secondes. Je peux.
Ah, je peux pas prendre ma hache. Pourquoi je peux pas prendre ma hache? Bordel! Attention aux plantes. Elles sont très agressives avec cette humidité. Ah! Ah, bah ce serait bon de le savoir du coup. J'avais prévenu. Si tu veux éviter son poison, coupe-la de suffisamment loin. Ah, ça y est. Allô? Merci. Voilà. Parfait. On va récupérer ce coffre. Je reconnais ce marché. C'était un lieu de rencontre et d'échange pour les villageois. Pourquoi ne l'ont-ils pas reconstruit? Eh ben, j'en ai absolument aucune idée. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Par ici, les coprolutes! Putain! Je savais pas que j'étais capable de faire ça. On dégage de là! Merci! Qu'est-ce que c'est que ces zombards? Aïe! Non, reviens! Ok. Bon avis. Ah, d'accord. Apparemment, il aimait la castagne. Très bien. Alors, on récupère ça, une rune brisée. Ressources uniques, très bien. Pourquoi pas? Ont-ils bien tous pu passer? Ils ont dû se retirer. Se cacher dans les bois après avoir couvert leurs traces avec la magie. Impossible de savoir combien ils sont ni comment les retrouver. Les As n'ont pas fait de la dentelle ici, hein? C'est grâce à notre servir. Déclarer la guerre aux Vannes n'a jamais été mon idée. Moi, je voulais négocier un mariage pour y mettre fin. Et quel succès ce fut! Bien évidemment, la paix a été tout aussi désastreuse que le mariage. A-t-il lancé une nouvelle invasion juste après m'avoir exilé? Du lore, nous apprenons du lore. Comment ça? D'accord, je l'avais pas vu. Très bien. Fer forgé, bois de pierre, de l'argent, très bien, pourquoi pas. C'est dommage que ça prenne la poussière. C'est une façon de voir les choses. Oh, comment ça? Oh là là! J'ai sauté si loin! C'était pas du tout le but. Voilà, moi je voulais sauter par ici. Et non, ça ne passe pas. On va passer de l'autre côté. Par ici, tac tac tac. Putain, il y a un coffre ici en plus. Comment tu vas là? Bon, en tout cas... Déjà, il y a ça. On récupère. T'es toujours à tout rafler, toi, hein. Touk. Comment on remonte là-haut déjà? J'ai oublié. Je sais plus comment ça marche. Si c'est bon, ça là. Hop. Ok. Bon, on va avancer. Oh, quoique, attendez, si je peux faire ça, let's go. Hein. Apparemment, je peux, ce qui fait que... Est-ce que tu comprends ces poèmes? Quand on s'en donne la peine, on trouve toujours un sens. C'est à l'interprétation de chacun. D'accord. Si tu le dis, écoute. Avançons. Cette fois, on va vraiment avancer, pour de vrai, promis. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a récupéré ce qu'on voulait. Enfin, j'ai récupéré ce que je voulais. Et donc nous, on va continuer notre petit périple. On va essayer de rejoindre Freya, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Je ne la vois plus, tant pis. Ce sont des choses qui arrivent, hop. Poupilou, là-bas il y a un coffre. Tu vas te calmer mon pote. Ok. Tu devrais jeter un autre coup d'œil dans le coin. Oh, oh, oh. Hein? Je... Eh hey. Je sais parfaitement qu'est-ce que je fais. Ah! Vous pouvez rien me faire. Tibetaire!
Allez, ça dégage. Ah, il y en a un autre là. Barrez-vous, monsieur. Mais il y en a encore un. Putain, mais ils sont combien là, au secours? Hop là, j'avais la flemme de me déplacer jusque là-bas alors que moi je voulais aller par ici. Les gens bien sapés, la bouffe de premier choix. Mais ça rappelle aussi le scandale que nous avait fait ton frère. Pourquoi faut-il que tu l'évoques sans cesse? Laisse mon frère là où il est. Est-ce que c'est bien compris? Faire forger acier nain et de l'argent. Parfait. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Ok. On va continuer. Je vais essayer de récupérer que les gros coffres, cette fois. Histoire qu'on puisse avancer un petit peu dans l'histoire, parce que c'est vrai que ça fait un moment que le jeu est sorti. Aïe, 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 aïe. Crétin d'idiot je suis. Très bien. Très bien. C'est vrai que ça fait un petit moment maintenant que le jeu est sorti, donc je pense que vous avez la fin du let's play sur pas mal de chaînes YouTube déjà. Ou même vous avez peut-être déjà vu sur pas mal de chaînes Twitch. Donc en vrai, il serait pas mal de se dépêcher de terminer ce let's play, même si j'ai pas envie de rusher du tout le jeu. Donc on va faire tranquillou. On va faire tranquillou sans forcément... passer 14 000 ans non plus sur le reste du jeu. Oups. Ok, il est mort. Ma faute du fait que j'avais mis les bouts. Mais ça m'a pas empêché de rejeter la faute sur lui la plupart du temps. Ok. Et où veux-tu en venir? L'important, c'est qu'au bout du compte, c'était pas la fin du monde. On a fini par arrêter nos gamineries. Et c'était comme s'il ne s'était jamais rien passé. Il est tout de suite redevenu le boulet que j'avais toujours connu. C'est ça la famille. Ça marche. Mais faut faire avec. Mais faut que ça vous rende marteau. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'entendre cela maintenant? Tout ce que je veux, c'est retrouver ma liberté. Et je ne compte pas me laisser distraire. Écoute, voilà. Tout ce que je veux dire, c'est que si tu finissais par parler à ton frère, votre pire conversation serait peut-être pas nécessairement votre dernière. Assez. Le jour où je me tiendrai à nouveau devant Frayeur, c'est que je marcherai et que je serai libre, c'est compris? Et pas tant que je serai coincé dans cet état ridicule. Ah, tu tiens ta fierté, je comprends. J'espère que ça te passera plus rapidement qu'à moi. Très touchante, cette histoire. Ferme-la, jamais. Oups, j'ai failli en manger Brock. Merdoum, comment je brûle ce truc là-haut là? Ah, c'est possible que ce soit avec des flèches de feu d'Atreus plus tard, éventuellement. Ah non, putain, c'est là. Parfait. Ça va cramer. Et c'est ouvert. Parfait. Comme dit, les gros coffres. Hop. Oh la pomme! Ouais, il nous en faut trois. Ok. Comment je suis peut-être un peu emballé. Pris pour les faire fuir? Quelles armes a-t-il demandé aux nains de lui forger? Quelle part de dégâts revient à Mjolnir? Un seul homme peut-il en faire autant? Tout dépend de l'arme et de l'homme. Exact. Ok, alors par ici on peut passer, on peut récupérer ce coffre. Parfait. Putain, il y en a des trucs par contre à loot ici, c'est terrible. T'as trouvé quoi? Je suis sûr que ça brille. Ah, du métal travaillé, tu... Tu seras content, t'auras du boulot. Il regorgeait autrefois de bateaux en provenance de différents villages. Je ne l'avais jamais vu si vide. Terrible. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pas maintenant, mon frère, on a de la compagnie.
Bon, en tout cas, ça ne marche pas. Non plus. Ok. J'avais complètement oublié cet élément de gameplay. Excusez-moi. Alors je parle du coup de bouclier sur le sol, tu sais, pour te débarrasser de ça. Ah, va bien. Voilà. Pouf. Aïe. Oh putain! C'est pas le temps pour ces conneries. Putain la vache! Oh l'ouverture de gueule quoi! Ok. On va finir par mourir à un moment, merci. Quand même. Ils m'ont donné du fil à retordre quand même, ces deux-là. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Pour l'instant, je ne peux rien en faire. Ok. Probablement un outil qui nous manque pour l'instant. Même si c'est un peu littéralement ce qu'elle vient de nous dire. Ok, avançons. Si vous voulez pas vous retrouver les tripes à l'air. C'est bon, vas-y. Le bonus. Ton peuple ne reçoit plus de visiteurs. Je l'ignore. Ce n'est plus mon peuple à présent. Allez, on monte. Vous êtes bien content que le roi soit là pour veiller sur vous. Oh oh. Merde! Nous devrions sans doute aller le chercher. Sois sur tes gardes. Sans déconner! Ah merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sent le boss, ça. Ah non, c'est un piège. Silence! Tiens, qu'avons-nous là? Le vieux borgne envoie un autre dieu faire le sale boulot? Thor est occupé? Nous ne servons pas Odin. Non? C'est pas exactement l'endroit pour flâner. Je me trompe? Oh, franchement, garde tes menaces, mon frère. Oh, je connais cette voix. Tu sais, je te couperais bien la tête. Mais on dirait que j'arrive trop tard. Ah, tu es perspicace, mon frère. Oh. Non, je suis pas ton frère. Tu as vendu ma sœur à ceux... Chien. Pour avoir la paix. Oh! Tu y crois? Où est-elle? Et où se trouve ma sœur? Dans un donjon d'Asgard? Est-elle au moins en vie? Réponds-moi. Dans ce cas, le sang va couler. Arrête! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi
cette chose à sa voix. C'est moi, Yngvi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Écoute-moi. Ces hommes sont à mon service. Je suis là pour reprendre ce qu'on m'a enlevé. C'est trop tard. On ne peut défaire ce qui est fait. Je le peux, crois-moi. Allez, laisse-les passer. Donc, vous servez ma sœur ? Comme nous tous. Détache-le. Alors, c'est comme ça qu'on traite ses vieux copains, vieille carne ? Oh, tais-toi, blabeur ! Allez ! Ah, c'est elle, la fameuse qui cherchait ! Énorme ! Je crois que je vais rester taillé le bout de bras. Oh, ben voyons. Comme tu voudras. Il reste toute bête, très bien. Mon frère, si tu veux bien, j'aimerais m'entretenir avec le seigneur Freyer. Hein ? Oui, bien sûr. Doit rester secret. Désolé, okay. Étranger, on est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des as par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein ? Son nom est Kratos, et non. Les as sont à Vanheim ? Ils occupent le royaume depuis... trop longtemps. Quel est ton plan ? J'y travaille toujours. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Viens pas me faire la morale. Dans ce cas, donne-moi un coup de main à la forge pendant que tu me racontes tout ça. Hé, Kratos. Si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon, n'est pas son point fort. Je crains que ce ne soit un peu trop tard. Très bien, voyons ce que nous avons là. Parle-moi de ton armée. Ouais, là, pour le coup, c'est un peu tard, ouais. Contre toute l'armée d'Oda. Alors, fais voir un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous faire pour nous, là ? Est-ce que t'as pas, je sais pas, pour la hache, est-ce qu'on a pas un petit truc améliorable, là ? Ça pourrait être sympa. Non, rien du tout. Très bien. Et dans les boucliers, le rond d'expédition. Ah oui, c'est ce truc-là, ok. Rond de volonté. Ça c'est pas améliorable. Ok. Un besoin spécial. Palière de Saul. J'aimerais bien garder éventuellement tout ce qui est force assez élevé. Renouvellement vitalité 18. Peut-être plutôt la vitalité. Du coup, je dirais qu'on peut faire ça. Je suis bon ou pas ? C'est très bien. On va les améliorer un coup. Avec ça, t'auras pas une seule égratignure. Ok. Protection de la taille. Ceinture de courage. Prendre le courage de Saul. Ça devrait garder ton corps en un seul morceau. Parfait. Ça c'est bon. Au niveau des objets spéciaux. Ah, j'ai plus de thunes. Écoutez. Ça c'est quoi ? Attends, tu peux crafter des trucs, c'est ça ? Ah, tu peux lui acheter ! Putain, je savais même pas. Mais attends, si je lui vends. Vendre tout. J'ai peut-être quelques trucs quand même à lui vendre, non ? Ouais, donne-moi tes trucs. Allez, envoie-moi ça. Bon, attends. C'est quoi ? C'est tout ce que j'ai pas équipé, ça ? Parce qu'en vrai, si c'est tout ce que j'ai pas équipé, let's go, hein. Ouais, je crois.
Jolie fourrée. J'ajouterai ça à la pile. Hop. Voilà, là on a cette thune. Alors, tu as fait ton choix. Je t'achète ça. Et là-dedans, c'est quoi ce bordel ? Force runique. Quand une invocation runique est en cours de renouvellement, augmente considérablement les dégâts d'état appliqués par les flèches runiques. Raffinement de pierre runique. Bon, ça c'est le bordel de... C'est le bordel de Atreus. Utiliser une pierre de guérison ou rage restaure deux flèches runiques et raccourcit encore le renouvellement de l'invocation runique. On va se prendre ça pour l'instant, pour Atreus. Qu'est-ce qu'il te faut ? Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Écoutez, on va continuer l'histoire, je pense, tout simplement. Let's go ! Ok. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère ? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve. Et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée ? Tu as à peine entrevu Freyr, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa défense. Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien. Mmh. Pas très commode, là, madame. Hop. Oh non ! Je vais éviter ! Dégueulasse, monsieur. Ah, il a toujours l'animation comme s'il y avait Atreus. C'est rigolo. Ok. Du coup, là, ça nous mène où ? Un ancien. Ça se frite comme truc ou... Oh merde, oui. Ça se frite. Ah! Ok. Bah, ça va, rien de... Ah! Non, 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 tire-toi, 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 tire-toi. Oh non, hé hey. Ah, la vie. Merci. Ah. Arrête. La vie. La vie. Merci. Ok. Mais putain, il a rien lâché. Oh, c'est terrible. Et mâche. Non. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais très bien comment ça marche. On va recommencer, c'est pas très grave. Ce sont des choses qui arrivent. Où est le fameux? Ok. Parfait. Voilà, on a déjà mis un peu l'eau. Kratos, merci. J'allais dire il esquive pas là, c'est terrible. Bon, c'est pas grave, ça a pas touché. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a de la vie un peu. Il y a de la vie un peu. Bouge, bouge. Mais par contre, c'est terrible. Ça revient plus. Ah si, ok, c'est là. Quand tu veux, tu finis, mon pote, hein.
Ah putain, il veut pas, hein. Ah si, c'est bon. Allô ? Voilà. Oh non, dégoûté. On a là. Ah c'est bon, il y a là. Ok. Je crois qu'il y avait de la vie par ici, terrible. Attendez, excusez-moi. Petite régène pendant 2 secondes là. Non, je fais de la merde. Je fais de la merde. Ah bah ça l'a tué. Bah écoute, je prends. Hein. Oh, hey, oh, je t'emmerde. Hein. Ok. D'accord, c'est très bien. Ça se détruit pas. Ce sont des choses qui arrivent. Oh, une flamme du chaos, excellent. Pouvoir améliorer les lames du chaos. Je sais ce que tu es en train de faire. Tu joues sur ma corde sensible pour que je te laisse vivre. J'essaie simplement de t'aider. Nous ne devrions pas reproduire les erreurs du passé. Épargne-moi le récit de tes erreurs. J'ai assez à faire avec les miennes. Ok, full life à nouveau, quasiment. Merde, y'a un coffre là, non. Comment accède-t-on à ce coffre? Probablement par ici. Non, pas par là. Tant pis. Si, peut-être en plus. Non. Non. C'est pas par ici. Ah, attends, ça doit être par là. Non. Bon, ça doit être plus tard alors. C'est forcément accessible, c'est pas possible. Ok. Oups, excusez-moi, j'ai essayé de couper un arbre qui était déjà coupé. Ah, il a pas bronché lui, hein. Il s'est pris un coup de hache dans la tronche. On a eu rien à foutre. Oh, tu te calmes. Tu dégages. Excusez-moi, je massacre un peu la faune et la flore, j'arrive. Oups. Tu peux mourir s'il te plaît quand même. À un moment faut arrêter de déconner monsieur. Voilà, merci. D'accord. Ah oui, ça ça permet de tabasser la gueule, ok. Bon, ça sert à rien pour l'instant. Il y a pas mal d'outils hein, qui nous manquent pour l'instant. On est vraiment, ça se sent qu'on est vraiment encore au tout début du jeu. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Alors oui, je sais que la suite est par là, mais le gros coffre. Bon, probablement beaucoup plus tard. Très bien. Très bien, très bien. Tout le monde a toujours un conseil à me donner, alors que personne ne connaît rien de moi. La plus grande perte de ma vie est due au fait que tu m'as sauvé, alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. C'était ma famille, mon problème. Baldur n'était certes pas parfait, mais il était à moi. Je sais. Tu sais. Crois-tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant? Oui, je le sais. Tu en as eu un autre. Avant Atreus? Son nom était Calliope. Calliope, que s'est-il passé? C'était il y a longtemps. Pardonne-moi. Je n'ai pas dit de nom. Et oui, il faut pas oublier qu'il y a eu une trilogie de jeux hein, avant le dernier God of War. Hein. Faut pas oublier ça. Non, ça ne sert à rien tant qu'on n'a pas le bon outil.
Ok, ça doit être par là-bas du coup. Je pense qu'on n'aura rien d'autre. Aïe! C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Aïe! Tu bouffes! Oups, je me suis trompé, hein. C'était pas ça que je voulais faire à la base. Mais oh! Oh! Meurs! Toi aussi d'ailleurs. Ah, parfait. Souviens-toi, rien ne sert de l'écraser quand il lève l'embrasse. Ok. Tu... D'accord. Dans le doute, tu brises et ensuite tu tapes. C'est pas grave, ça fait des trucs un peu rigolos. Paf! Oh, tu te calmes, mon pote! Et ça meurt. Comment ça? Ah, t'es là-haut! Aïe! J'ai l'impression que du coup son bouclier est tombé. Oh là là! Attends. Petit don de force. Pardon, hein, ça demande un tout petit peu de concentration. Ouais, super, j'ai récupéré tout sauf ce que je voulais. Ah! Ok. Toujours aussi impressionnante, hein, les exécutions, hein, évidemment. Ok. Ok. C'est bon. On l'a eu. Continuons. Nous devons atteindre cette tour de guet. Il nous faudra traverser la vallée. Par ici. Je te suis. L'histoire de ton fils. Je dois te raconter celle de ma fille. Au service d'un dieu cruel. J'ai détruit malgré moi un village. J'ignorais que mon épouse et ma fille s'y trouvaient avant que leur sang tache mes mains. J'ai juré de me venger. C'est... Je ne peux l'imaginer. J'ai fait payer leur mort 1000 fois et j'ai réduit l'Olympe en cendres. Mais... La culpabilité demeure. Tu me tueras peut-être, Freya. Mais ça ne t'apportera pas la paix. Ce n'est peut-être pas la paix qui m'intéresse. Toutes ces fois où je t'ai trouvé, pourquoi as-tu refusé de m'affronter? Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite. Qu'entends-tu par là? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés. Tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner à mourir. Je vois. C'est très très cool ces moments-là où tu commences à voir les deux points de vue. Oui. Ouais, j'ai entendu, ouais. Une Noken.
si près du village. Son chant rend ses alliés invulnérables. Ils ne te laisseront pas passer tant que tu ne les auras pas tous vaincus. Ok. Ben, c'est bon, il est mort, non? Le Noken... Enfin, la Noken, elle est pas morte, là? Elle est toujours pas morte, ce truc-là? Dégage. Merci. Tiens, bouffe. Ok. Parfait. Ben voilà. Je peux me tromper, mais... Ça s'est plutôt bien passé. Pour le coup, là. Ah, tout va bien. Allez, hop, on avance. Mon village. Je me reconnais à peine. Frayeur et moi, nous jouions à cache-cache dans les champs. Nous passions la journée à voler du point de miel dans la grande halle. Lors des jeux, nous dansions et chantions jusqu'au petit jour. Tout était si simple. Pourquoi toujours Ok. Région découverte. Le village abandonné. Elle est en ruine. Putain, on peut même pas y aller à la grande halle. Très bien. Oh. Puisse Freya ne jamais trembler. Il manque l'autre moitié. Puisse-t-elle toujours nous protéger ? C'est un vieux dicton. Ok. Putain, Kratos a réussi à le lire cette fois. Énorme ! Il a appris la langue, dis donc. Voir un peu. Stylé. Ok. Alors, on peut passer par ici. Ah, il y a un coffre. On va récupérer le coffre. On va récupérer le coffre et on avance. Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Attends. Elle l'a vraiment bloqué? Putain, énorme. Oh. Eh ben alors? C'est dommage, ça. Hop, allez, ça dégage. Tac. Comment ça? Non, ouais, je me suis pris des dégâts de Bifrost. Ça va pas du tout, ça. D'accord, ça n'aurait servi à rien. Très bien. Tac, tac, tac. Ah, il y en a là! Excuse-moi, mec, je t'avais pas vu! Excuse-moi de t'avoir ignoré, frérot. Hop! Voilà! Est-ce que la madame d'ici? Ah non, pas du tout, il en reste encore. Ok. Ah, bah, c'est tombé, c'est mouru, ça. Un bouffe. Mais comment ça? Bouc, bouc, bouc. J'avais oublié que ça se paraît pas, ça. Comment ça? Allez, mais tu vas mourir, Varère. Voilà. Je me suis trompé de touche, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Aïe. Toi, tu vas mourir. Ça marche plutôt bien, ça, hein. Ok. Bonjour, monsieur. Hey, comment ça? Ah,
Allez, combat de débile. Non. Ah. Excusez-moi, il y avait de la vie. Voilà. Eh madame, arrêtez maintenant. Hop. Oups, raté. Voilà. C'est bon là, on les a eu. Comme si ce codin m'a fait n'était pas suffisant. Ça a l'air d'être bon. Tous les souvenirs de mon foyer. Estime-toi heureuse d'avoir le souvenir de ton foyer. À Sparte, on est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit l'agogée. On marche où l'on tombe. On se bat pour des restes où l'on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au lot. C'est ainsi que grandit un Spartiate. Ah ouais, il aurait fallu que je commence pendant la conversation là, parce que bon, là du coup c'est long. Allez, allez, voilà, parfait. C'est évident que la suite se dirait c'est de l'autre côté, mais là il y a un truc à récupérer je suppose. Voilà, il y a un coffre, on va récupérer ça. Parfait. Il y a rien dedans. Là, on peut pas y accéder. Alors, avançons. Tac, 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 tac. Ça m'a l'air d'être Keblo par ici, là. Les plantes sont semblables aux poteaux d'infamie qui se trouvaient autrefois dans les contreforts de Midgard. Oh, oh, ces poteaux-là, ok, je viens de comprendre. Vu l'éducation que reçoivent les Spartiates, ce n'est pas étonnant que tu sois devenu ce que ton destin était scellé dès le départ. Le destin peut être changé. Ce que je pensais, quand les Nornes m'ont annoncé le destin de mon fils, j'ai cru pouvoir le changer. Tu sais bien ce qu'il en a été. Les Nornes, les moires de ces terres. Exact. Tu défies la prophétie à ta vie. Ah, là-haut. J'avais pas vu. Hop. Allez, on grimpe. Je disais, c'était bizarre, il faut monter, mais je vois pas de moyen de monter. Et c'est juste parce que je suis aveugle. Ok, tout va bien. Ah ! Remonte, Kratos, Kratos, non ! Quel con ! Oh, quel débile! Quel débile, c'est pas grave. On vient où? On revient là, ok. Ah non, pardon, on revient là, ok. Hop. J'avais pas compris. Ces plantes sont semblables aux poteaux d'infamie qui se trouvaient autrefois dans les contreforts de Midgard. Ok. Il compte comme prix, il compte comme prix. Parfait. L'éducation que reçoivent les Spartiates, ce n'est pas étonnant que tu sois devenu ce que tu es. Ton destin était scellé dès le départ. Le destin peut être changé. C'est ce que je pensais. Quand les Nornes m'ont annoncé le destin de mon fils, j'ai cru pouvoir le changer. Tu sais bien ce qu'il en a été. Les Nornes, les moires de ces terres. Exact. Tu défies la prophétie à tes risques et périls. Et voilà. Bouclier d'étoiles brisé. Très bien. Eh ben écoute, on verra tout ça plus tard. Atreus partagerait ton point de vue sur la prophétie. Il se ruait aveuglément vers un destin prédit par les géants. Il disparaît deux jours, cherchant à prouver qu'il est leur champion, censé se battre au Ragnarok. Comment ? Je connais toutes les prophéties du Ragnarok. Aucune ne mentionne un champion des géants. Groa l'avait caché.
Grâce à ce champion, les royaumes échappent au Ragnarok. Seul Asgard tombe, et Odin avec lui. Donc tout ce temps, malgré son obsession pour le Ragnarok, Odin en a manqué une pièce maîtresse. Bravo, Groa. Atreus ne sera pas un tour de la prophétie. Tu t'opposes encore au destin, alors même qu'il annonce la victoire? Je n'enverrai pas mon fils à la guerre. Ce n'est pas un Spartiate. Je ne veux pas que cela change. Tu me parles à moi de protéger ton fils. Mon drame ne t'a-t-il pas servi de leçon? Combattre le destin est une perte du temps précieux qu'on nous accorde auprès d'eux. Sans compter qu'à tout moment, on peut venir les courter. Poupiloupilou, je crois qu'on a récupéré ce qu'il fallait. Je suis pas sûr qu'on ait d'autres choses à récupérer. Là. Ouais. Comment ça? Faut que je descende de toute façon là, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que là je peux y faire quelque chose? Yes, carrément. Devrait te permettre d'avoir un meilleur angle pour la torche. Tu ne crois pas? Hop. Pardon. Ah. Hop. Ouh, stuff. Alors. Oui, ça va, ça va. Ça, j'avais compris ça. Voilà. Traversons le pont maintenant. Ok, ça c'est bon. Et attends, parce que y a un coffre apparemment. On pourrait pas passer à côté, ce serait bête. Ok. Je pourrais peut-être pas la voir d'ici du tout en fait. Je pense qu'on pourra pas la voir comme ça. Il faut que je passe. Après avoir tué autant de dieux, comment quelqu'un comme toi peut-il encore prendre la guerre? J'ai vu trop de guerres pour en ignorer le prix. Excuse-moi, hein, je te coupe, mais corne d'hydromel sanglant, parfait. Très bien, maintenant reprenons notre mission. Oui, c'est prévu. Je récupère juste un petit peu de stuff, je vérifie qu'on n'a rien autour. On est déjà à 55 minutes d'épisode, chers amis. On va continuer encore 5 minutes. Mais pas beaucoup plus, hein. Pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Histoire de ne pas trop dépasser, pas arriver à 1h30. Parce que là, ça pourrait vraiment être très long. C'est l'un des capitaines d'Odin. Tiens-toi prêt. Bon. Fisk. Exactement comme chez Marvel. Pas du tout. Oula. Ok, c'est bon. Et parce que Fisk, c'est un ennemi dans Spider-Man. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ce qui était prévu, monsieur.
Ok. Oh, tu vas te calmer mon pote, hein. Ok. Et déjà midlife, hein. Bon ça va, hein. Franchement. Franchement là pour l'instant ça va. Hein. C'était évident qu'on allait pas le tuer là, mais aïe. Hop hop. Du calme mon petit pote. Et ben voilà. Ah, c'est mieux passé contre lui que contre des petits mobs à la con, dis donc. Glaive de Dauder, relique, très bien. Hop. Le Ragnarok ne te rendra pas ce que tu as perdu. Me tuer non plus. Oh, j'en ai assez d'entendre tes sages platitudes. Veux-tu bien te taire et te contenter de tuer? Bah super. Attends, il y a quelque chose par ici, 100%. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Ah, un coffre, j'avais donc raison. Hop. Pardon. Allez. Ouais, t'attends 2 secondes. T'attends 2 secondes, c'est toi qui m'as demandé de l'aide. Donc j'arrive. 5 hein. Secondes, s'il te plaît. Ok. On y est, tranquillou. Va continuer encore un petit peu. Hop là, je ne me ferai pas avoir par ces plantes à nouveau. Là ça va, je les vois. Débile, mais ça va. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, faut que je la rejoigne, c'est ça? Oh non mais il est tout kéblo là. Très bien, donc fallait que je descende. Aïe! Je vais avoir par les plantes. Voilà, c'est exactement ce que je disais pas tout à l'heure. J'adore ma vie. ok, alors là, il y a des pièges. Très bien, ça permet de remonter. Mais du coup, je comprends pas bien ce que ça veut, là. C'est juste, faut que je fasse par là, c'est ça? De tuer. Quoi? Je tue pour protéger mon fils, pour secourir mes amis. Mais je refuse d'être un monstre. Plus jamais. Ce choix ne t'appartient pas. Pas avec la dette que tu as envers moi. Ce n'est pas une question de dette. Dans tous les cas, je t'aurais aidé. Alors, malgré tout ce qu'on m'a enlevé, je devrais simplement tout oublier? Freya. Assez. Ok. C'est stylé les drapeaux là. C'est très très stylé, j'aime beaucoup l'endroit. J'aime beaucoup comment est construit cet endroit. Allons-y. C'est juste derrière ces portes. Ah bon? Ah bon bah faisons-le. Là. Je sens la source de la magie qui me retient à Midgard. Où sommes-nous? Chez moi. C'est ici que je suis née. Attends. Quelque chose ne va pas. Opinbera. Des racines de l'arbre monde. Lié par des nœuds d'Odin. C'est donc comme ça qu'il a fait. Allez! Nidhogg! Comme de par hasard! Non! Elle protège les racines d'Yggdrasil. Où qu'elle se trouve. Ce chien qu'on a là-dessus.
Oh, saligo. Ah, 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 le, j'ai mal. Putain. Oui, oui, bah je me doute, mais... Ok, pardon, hein, je me concentre, c'est un nouveau boss. On s'en doutait. Ok. Oh putain. Elle attaque par les brèches de royaume. Je la vois. Saut ? Quel saut ? Ah, ceux-là ! Mais, connard ! D'accord. Deuxième coup qui n'a servi à rien. Oula, 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 oula. Mais Kratos. Ah merde. Ça a pas marché, j'étais trop loin. Merci Freya. Ok. Tant pis, j'ai plus beaucoup de rage, mais c'est pas grave. Au moins j'ai un peu de vie. Frappe ta queue avec ton bouclier. Allez. Deux secondes, deux secondes.
Putain. Tu sais quoi faire. Allez. Voilà. Oui, ça fonctionne. Allez. Il commence à s'énerver. Tiens-toi prêt. Sans déconner. Putain, d'accord, elle avait pas fait ça tout à l'heure. Putain. Allez. Oh non. Allez, 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 allez. Deuxième phase, d'accord, ok, d'accord, d'accord, ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah, ah, ah. Au secours. Tu vas te calmer. Ah merci, je suis au courant de ça. Ok. Allez. Elle va repartir. Nous n'en empêchons pas. Je dois briser son emprise. Si tu es un obstacle. Est-ce terminé? C'est fini. C'est...
C'est vraiment terminé. Et maintenant que tu as eu ce que tu voulais, j'imagine que le moment est venu de te pardonner ou de te tuer. T'es-tu décidé ? Les deux me paraissent impossibles. Il y a une part en moi qui demeure si furieuse. Elle ne me quittera jamais. Elle sera toujours furieuse. Toi de payer de ta vie. Je le comprends. Écoute, tout ce qui s'est passé entre nous. Inutile de t'expliquer. Pas avec moi. Pas pour ça. Je ne regrette pas de t'avoir sauvé, et ne regretterai jamais. Mais le choix de vivre ou de mourir aurait dû t'appartenir. Je n'aurais pas dû t'en déposséder. L'amulette est un objet unique pouvant accueillir un nombre variable d'enchantements. L'amulette doit être améliorée pour débloquer plus d'emplacements. Très bien. Bonjour. Amulette. Affichez l'inventaire d'amulette. Endurance de Midgard. Ok. Et bah, je l'ai mis. Très bien. Enchantement équipé. Améliorer l'amulette à l'atelier pour réparer des emplacements. Trouver des ensembles d'enchantements pour débloquer des capacités bonus. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que je peux voir quand même ce que ça fait endurance de Midgard, s'il vous plaît? Renouvellement 10, conditions d'ajout, bonus d'ensemble, augmente les dégâts de toutes les attaques et à capacité à distance de Kratos basée sur son renouvellement. Très bien! Maintenant que je suis à nouveau moi, je crois qu'une visite à mon frère s'impose. Et ensuite? Je l'ignore. Cela faisait longtemps que je n'avais plus eu le choix. Laisse-moi le temps de m'y habituer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir y aller assez direct? Ou est-ce qu'il faut refaire tout le niveau en entier? On peut prendre ce chemin pour rentrer au camp. Je peux t'aider avec ces ronces. Ah! Oh! Plonge tes lames dans ces ronces luisantes et embrase-les. Ton frère semble enclin à ton retour. Oh! Je suis sûre qu'il serait ravi que tout redevienne comme avant, pour me déléguer toutes les responsabilités du pouvoir. Mmh.
Ok. C'est cool, on va pouvoir débloquer quelques coffres et tout, ça c'est plutôt sympa. On est quand même à 1h16 d'épisode, chers amis, on va quand même s'arrêter, je pense. On va pas non plus... Ouais, on va s'arrêter, je vois très clairement qu'il y a des ennemis devant. On va sauvegarder un petit coup. Et on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, chers amis, on se dit à la prochaine. C'était Thomas Santatassi, n'oubliez pas, semaine prochaine, le samedi, comme tous les samedis maintenant, en fait, pour les épisodes de God of War Ragnarok. On se dit, du coup, à la semaine prochaine, c'était Thomas Santatassi. Ciao tout le monde.